Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu ciblée et un petit peu spéciale puisque ça va parler de mon augmentation mammaire. Donc clairement, si ça ne vous intéresse pas, ne restez pas pour voir la vidéo. C'est vraiment dédié, on va dire, aux filles qui sont en recherche de témoignages, comme moi j'ai pu le faire, avant de se lancer en fait. Hein. Je ne citerai pas le nom de mon chirurgien parce que je ne sais pas si j'en ai le droit. Voilà, donc après n'hésitez pas à me demander sur Instagram en message privé. Alors avant d'avoir un enfant, je faisais un 85B moyen, mais voilà, qui se tenait assez haut. Voilà, c'était pas un B qui déborde, mais c'était cute quoi. Alors je trouvais déjà à ce moment-là que, à mon goût et pour ma morphologie, parce que j'ai quand même des hanches larges et je suis grande, je fais quasiment 1m70, c'était un peu faiblard, voilà, donc ça n'a jamais poussé plus, hein. Je les ai eus dès la 6e, mais ça n'a jamais bougé. je m'en contentais, on va dire, je pensais pas encore trop à la chirurgie à ce moment-là. Après, j'ai eu ma fille, quand j'étais enceinte, je suis montée à du D, j'ai beaucoup aimé, même si j'avais très mal au sein. Et ensuite, ça a disparu et comme je suis mise au sport de façon intensive, etc., j'ai encore plus perdu avec la grossesse plus la perte de poids de sein. Donc j'avais encore moins de 5 avant. C'est-à-dire que je faisais toujours un 85B, mais vraiment un petit 85B. Mais voilà, c'était plus du coup les seins hauts et fiers, hein, c'était des seins très plats, très vides en haut. Et voilà, la graisse que j'avais, bah, était vraiment en bas quoi. C'était pas supportable pour moi, j'avais vraiment trop de mal à gérer ça. Surtout que la grossesse c'est quand même une transformation énorme sur le corps. J'ai vraiment beaucoup bossé pour avoir un corps mieux qu'avant même, hein, d'ailleurs certes. Mais quand je vois tout quand même, tous les efforts qu'il faut faire, etc. J'acceptais pas en fait d'être encore plus impactée au niveau de mes seins. Alors que déjà, je les aimais pas spécialement. J'ai pris la décision en août d'aller voir un chirurgien donc, qui est très renommé dans mon coin. Parce que ça c'est vraiment ma hantise, je voulais pas passer avec un guignol. Voilà. Alors, pour faire concis sur les mensurations, le prix, machin, truc. Donc je suis allée le voir, il m'a recommandé donc la marque Motiva. Donc ce sont des prothèses rondes. Donc ils ne font plus d'anatomique, hein, c'est interdit. Donc ce sont des prothèses rondes, un peu nouvelle génération, qui font ce que moi je déteste l'effet. Alors c'est propre à chacun, hein, mais moi je n'aime pas sur moi en tout cas l'effet très rond là, obus. Voilà, je trouve que ça fait fake. Il y en a qui aiment ça. Moi c'était pas ce que je recherchais. Je cherchais un truc vraiment naturel quoi. Comme les femmes pulpeuses, naturellement. Donc il m'a dit orienté vers le ergonomique, on appelle ça. Donc c'est du rond, mais c'est du rond qui, bah, en fonction des positions que le corps a ou prend, va quand même s'adapter. C'est-à-dire qu'on aura quand même le poids de la prothèse qui va tomber un peu plus vers le bas quand vous êtes debout, un peu plus étalé quand vous êtes allongé. Donc on se rapproche de l'effet anatomique. Mais comme c'est rond et que c'est modulable, du coup il n'y a pas de risque en fait de rotation, si vous voulez. Alors, il m'a prévenu que mon rêve de belle poitrine généreuse ne serait pas atteignable parce que j'ai une peau très fine. Alors non pas que j'ai explosé quand je suis montée au dé enceinte, parce que j'ai des vergetures ailleurs, mais j'en ai pas eu sur les seins, enfin peut-être deux très très fines, mais c'était pas un problème. Mais il m'a dit que ça voulait rien dire, hein, et qu'on pouvait très bien avoir une peau avec assez de collagène pour qu'il n'y ait pas de vergetures à cet endroit-là. Qui naissent, mais qu'on pouvait quand même avoir une peau très fine, et ce qui allait poser souci, c'était plus le soutien du poids qu'on ajoute. Donc le but, c'était pas que je me retrouve avec des seins qui tombent au nombril, enfin d'avoir une ptose mammaire, hein, comme on dit, 2 ans après. Donc j'ai dit ok, de toute façon j'ai pas le choix. Sachant que j'avais quand même une base de seins large. Donc le problème c'était vraiment pas que ça ne passait pas, hein. C'était pour lui le poids après pour ma peau. Donc de base, il m'a fait des essayages sans me dire le poids. À chaque fois je me disais bon celle-là a l'air d'être un peu plus grosse donc je forçais un petit peu. J'ai réussi à avoir 300 cc. Donc 300 cc c'est des centimètres cubes, grosso modo c'est le taille-poids de votre prothèse. Alors pour aiguiller celle qui se demande à quoi ça correspond, il faut... Je vois beaucoup de filles sur les forums ou autres qui disent tant de cc ça fait telle taille. Non, ça fait pas telle taille. Votre taille elle dépend de votre tour de buste, donc le tour de buste c'est sous vos seins,
Et puis bah forcément du tour de poitrine. Donc une fille qui fait 90 cm ici et une fille qui fait 65 cm ici, ça va pas du tout donner la même taille pour la même prothèse en fait. Donc ça c'est erroné à bannir. Ce qu'il faut retenir en principe de base, et c'est un principe de base, encore une fois ça va dépendre aussi de la forme de thorax et compagnie, c'est que 150 cc ça fait plus ou moins un bonnet supplémentaire. Donc ça ne change strictement pas le tour de taille. Vous faites un 85, à part si vous prenez énormément de poids et que vous stockez du gras à ce niveau-là, bah vous resterez sur un 85. À part pour du confort, peut-être, vous pouvez passer sur un 90. Mais vous n'allez pas varier de 80 à 100. Enfin, pas avec des prothèses en tout cas. Donc voilà. Donc en gros, ça c'était censé me donner environ 2 bonnets de plus. Maintenant, il y a des filles chez qui ça va donner beaucoup moins parce que le muscle va plus compresser la prothèse, parce qu'elles ont un thorax un peu spécifique en termes de forme, donc l'effet est moins profond, enfin voilà, mais en gros, normalement, de bonnet. Donc je faisais 85B, maintenant je fais 85D. Il n'y a pas de mystère, sur moi ça a vraiment fait le truc pile poil. Et quand je dis ça, je suis à 2 mois là d'opération, 2 mois post-op, mes seins ils bougent pas depuis le début, c'est-à-dire qu'ils se sont... je pense que c'est lié au fait que j'ai déjà eu une grossesse et qu'ils étaient déjà un peu vidés. Et ils se sont mis en place très vite, c'est-à-dire que j'ai pas du tout eu l'effet tout en haut. J'ai eu des prothèses qui sont très très vite descendues comme il fallait pour avoir la pente qui fait naturelle. Et depuis, ça ne bouge pas. La seule chose qui change, c'est qu'elles deviennent plus souples. Au toucher, ça fait plus naturel, mais je ne perds pas en... Si je me mesure, je ne perds pas. Juste, ça se place de façon plus naturelle et ça devient plus souple. Même si je sais que ça peut bouger pendant encore 10 mois. Mais bon. La technique qu'il a utilisée s'appelle la technique dual plane. Donc vous avez sous le muscle, devant le muscle, en dual plane. Honnêtement, ça faut voir avec votre chirurgien qu'est-ce qui est le plus adapté à vous. Parce que ça va dépendre de la morpho, pour que les bords de la prothèse ne se voient pas trop. Ça va dépendre de si vous faites du sport, etc., etc. Moi, c'est en dual plane, donc j'ai le haut de la prothèse qui est sous le muscle, mais le bas de la prothèse qui est dans la loge du sein. Voilà, je trouve aussi que c'est une technique qui fait assez naturelle. Sinon, en termes de tarifs, donc moi, tout compris, c'est-à-dire le séjour à la clinique, sachant que je l'ai fait en ambulatoire, je voulais pas du tout dormir sur place, donc je suis arrivée à 6h du mat, et je suis repartie à 20h. Donc le séjour à la clinique, l'anesthésiste, mon chirurgien avec le rendez-vous d'avant, alors le premier je l'avais payé mais pas le deuxième, et les rendez-vous d'après, donc de suivi que je vais faire cette année, donc tout ça inclus, j'en ai eu pour 3 350 €. Donc c'est une somme, mais c'est pas si cher que ça, parce que j'ai eu pas mal de retours de tarifs quand je regardais des expériences, et franchement ça va pas, parce qu'on est souvent plus sur du 5, 4, 5. Donc 3 350, voilà, j'ai économisé pour, voilà, ça fait mal, mais c'est quand même vachement abordable pour de la chirurgie esthétique pour les seins. Voilà. Alors, en termes de temps de repos que je vous conseille d'avoir au moins 2 semaines de congé. Une semaine, c'est beaucoup trop short. Alors après, le problème, c'est qu'il y a des filles qui au bout de 4 jours tout roule, voilà, enfin tatata, je pense pas que ce soit la majorité, et c'est surtout que vous pouvez pas savoir, donc dans le doute, comme vous ne savez pas comment votre corps va réagir, combien de temps il va mettre pour s'en remettre, voilà, je vous suggère de prendre minimum 2 semaines de congé, parce que moi honnêtement au bout de 2 semaines j'aurais bien gratté une 3e, vraiment, et pourtant je me suis bien reposée comme il fallait, j'ai bien porté mon soutien-gorge de contention, enfin, mais pour conduire c'était très très difficile parce qu'on sent le pec qui se contracte, donc c'est plus dur pour celles qui ont une partie sous le pectoraux effectivement que pour celles qui font devant, mais voilà, je vous conseille vraiment minimum 2 semaines, et donc au niveau du port du soutien-gorge de contention, donc j'ai pris un Zebra de la marque Medical Z. Mon chirurgien m'avait dit de prendre du 90C. C'était trop serré sur mes seins, mais bon, je me suis dit, le truc il coûte 50 et quelques euros. De toute façon, le sous-type de contention, c'est fait pour compenser. Donc c'est pas grave. Et la seule chose qui était embêtante, c'est que 90, bah, pour le coup, en tour de... sous les seins, c'était beaucoup
enfin beaucoup, un peu trop grande. Donc du coup, je me sentais pas trop maintenue, ça baillait un peu là-dessus, mais le reste était bien plaqué. Donc à choisir, j'aurais pris 85D. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc je l'ai porté pendant 6 semaines. Alors, 4 semaines en permanence, nuit et jour, à retirer juste sous la douche. Et ensuite, pendant 2 semaines supplémentaires, juste le jour. Voilà, donc à l'heure actuelle, je mets des soutiens-gorge avec des baleines ou sans baleines. Voilà, enfin lui, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, il a regardé mes seins. Il m'a dit avec ou sans baleine, peu importe, maintenant c'est bon. Mais voilà, je le fais juste pour sortir ou pour te mettre des vidéos, sinon je reste sur des trucs assez basiques. Au niveau de la cicatrice aussi, parce que je n'ai pas parlé, alors ça dépend vraiment du chirurgien. Moi j'avais eu énormément d'échos sur lui comme quoi c'était un magicien. et c'est un magicien. Enfin voilà, au bout de 3 semaines, j'avais trop peur, j'ai enlevé les pansements. Alors sachant que lui, il met des strips juste. On touche pas aux strips, voilà. Juste on met de la bétadine sur les strips tous les jours. Basta, y a rien à faire, y a pas de pansements, etc. Parce qu'il considère que, ça c'est propre à chacun, que les pansements ça fait macérer la plaie. Et en fait voilà, il m'a retiré les strips lui-même au bout de 2 semaines. Après il m'a mis un autre pansement un peu bizarre qui est tombé de lui-même au bout de 3 jours et après plus rien. Donc après j'étais libre de mettre du cicalfate dessus. Ma cicatrice mais est invisible quoi, c'est un délire. Même au bout de 3 semaines, c'est d'une finesse, j'ai jamais vu ça. Franchement en plus j'ai une peau qui marque, c'est ça qui est dingue, j'avais trop peur. Vraiment magnifique. C'est dans le sillon, je l'ai fait dessous là. Ça se voit absolument pas. Enfin, faut prendre une loupe, soulever le sein. Et ça fait un petit trait beige foncé sur du beige clair. Enfin, voilà. Vraiment, vraiment, vraiment ravie. Et alors, je vais vous montrer quand même. Je sais pas encore comment. Enfin, je vais vous montrer comme ça, ça suffira. Et une photo avant avec un décolleté pour que vous voyez un peu la différence. Mais. Très honnêtement, j'ai pas envie de faire un topo sur voilà, attention à la chirurgie, nanana. Je pense que tout le monde le sait, la chirurgie ça reste un acte médical, il y a des risques, c'est invasif en plus d'augmentation mammaire, puisqu'on ajoute un corps étranger. Donc il y a des risques aussi de complications, bien évidemment, des risques de coque, enfin le coque c'est un peu comme un rejet hein, par le corps. Il y a des risques que vous soyez pas satisfaite aussi, tout bêtement, hein, parce qu'on vous a mal conseillé ou que sur votre corps ça donne pas finalement l'effet escompté. Au niveau du changement des prothèses, alors c'est assez flou, c'est-à-dire que voilà, il m'a dit bon, les nouvelles prothèses maintenant, les nouvelles générations, on n'est plus sur un remplacement sur tous les 10 ans, mais il y a un risque, c'est jamais. Si c'est défectueux, bah, ça se trouve dans 2 ans, je vais devoir relâcher 3000 et quelques euros. Donc faut être prêt aussi à ça à partir du moment où on se lance dedans, très clairement. Moi ça valait le coup parce que j'étais trop malheureuse, j'avais pas confiance en moi, je me mentrais jamais, c'est-à-dire que bah, dans mes relations. Niette, je ne montre pas mes seins, enfin, et c'est vraiment psychologiquement c'était trop dur à vivre. J'avais envie de me sentir épanouie à ce niveau-là, même pour mes tenues et autres. Enfin, je me regardais pas dans le miroir parce que franchement, voilà. Mais voilà, faut bien réfléchir évidemment et renseignez-vous à fond les ballons. Moi, j'ai vraiment poncé internet pendant 3 mois, quoi. J'ai tout vu, même les trucs dégueux, voilà, pour être bien sûr. Que quand vous faites le choix, vous le faites en connaissance de cause. Donc sur le retour que j'ai à vous en faire actuellement, donc bon, je vais vous montrer un petit peu quand même de plus près. Donc là j'ai un soutien-gorge qui fait un peu push-up. Hein. Donc c'est pour ça que là ça fait un peu rond, mais sinon c'est plus plat. Donc c'est pour vous montrer ce que ça fait du coup. Et finalement 300 cc c'est ça. Ça me convient parfaitement. C'est harmonieux avec la silhouette, enfin, en tout cas je trouve pour ma part. Si je mets pas de push-up, ça fait hyper naturel, on dirait presque des vrais seins. Et encore, voilà, je suis pas au terme, donc je pense que ça fera encore plus naturel dans quelques mois. Juste forcément, il n'y a pas le côté. Le côté ptose qui est quand même plus visible parce que là je vais avoir 30 ans. Donc une femme qui fait du 85D. À 30 ans naturel, ça tombe forcément un peu plus qu'avec des prothèses. Donc il n'y a pas cet effet tombant. Alors, en tout cas, à mon niveau, ça m'a vraiment changé la vie. Ça m'a reboosté dans plein de projets personnels, plein de projets pro également.
J'ai plaisir à m'habiller, je m'achète des vêtements différents, j'ose plus de choses et j'ose me regarder maintenant. Voilà. Et donc ça a vraiment boosté ma confiance en moi. Voilà. Donc je ne peux que vous recommander, si vous hésitez, de le faire après avoir bien sûr pris un maximum d'informations à gauche et à droite. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.